Bonsoir à tous. On est un tout petit peu en retard, je suis désolé, mais ce soir on a du monde. Bienvenue à cette avant-première UGC Cinéciter Léal. Elle se déroule dans le cadre de la semaine de la comédie. Ce sont des avant-premières tous les soirs, parfois avec équipe de films, parfois sans. Ce soir, vous le savez, c'est avec une équipe de films. Alors vous allez recevoir une équipe de films qui arrive d'Angoulême, qui n'est pas en zone rouge, et qui donc a l'habitude de voir les salles pleines. Ici, on est plein, mais en fait, on n'a que la moitié, puisqu'on n'a pas le droit d'aller plus loin. Donc, l'objectif, c'est de faire aussi autant de bruit qu'à Angoulême, mais en étant deux fois moins. Donc, je compte sur vous. Merci d'accueillir le réalisateur du film, Monsieur Jean-Paul Salomé. Bonsoir. Merci d'être ici, merci de venir au cinéma, merci de braver tout pour venir sortir de chez vous, laisser vos iPads, vos iPhones, vos machin, ne pas regarder Netflix, ne pas regarder. Il faut se décontaminer maintenant, il faut arrêter tout ça, il y a autre chose dans la vie, et c'est super de venir au cinéma et de voir un film sur un grand écran. Voilà, donc voilà, le film a fait partie de ces fameux films qui devaient sortir et puis qui n'est pas sorti tout de suite, et puis on sort maintenant. Et le principal, c'est la route est longue et c'est d'y arriver. Donc évidemment, quand on fait un film, moi quand je fais des films, je pense tout de suite à la salle et au plaisir du spectateur de découvrir un film. Donc voilà, pour nous, c'est la fin de l'aventure. On amène le film au public et après, c'est à vous de vous en apparaître. Donc on est très contents, très émus. Donc encore merci d'être là. Voilà. Alors, je vais essayer de remercier les gens, d'appeler les personnes qui sont avec nous ce soir. Dans ces conditions un peu particulières. Donc déjà, je voulais remercier les producteurs du film qui m'ont évidemment permis de faire ce film, qui sont Jean-Baptiste Dupont et Christina Larsen, qui sont là et que vous pouvez applaudir. Voilà, ils sont beaucoup, ils sont là. Voilà. Voilà, parce que sans eux, il n'y a pas de cinéma non plus. Il y a Jean Labadie qui est le distributeur qui nous permet d'amener le film ici, qui est le plus beau producteur, il est là. Voilà, c'est quand même. Il a la chance de tomber sur des dingues de cinéma, il en faut de plus en plus. Enfin, il faut être de plus en plus dingue, parce qu'il y a de moins en moins de dingues, mais il faut être de plus en plus dingue pour faire du cinéma. Donc encore merci à eux. Alors, il y a évidemment l'auteur du livre, Anne-Laure Kerr, avec qui nous avons adapté. Elle est là, et il y a aussi Antoine Salomé, que je connais un peu, qui a écrit aussi avec nous à la fin, voilà, ils sont là. Alors, je crois qu'il y a Bruno Coulet, il est là Bruno, ou pas? Il n'est pas venu. Bon, enfin il a quand même fait la musique, on peut l'applaudir. Et alors, maintenant il y a les comédiens. Alors, il y a Rachid Guélaz qui. Ouais. Il n'est pas venu tout seul, Rachid, voilà. Murad Mouadan. Murad, le tapis. Allez, Murad. Voilà. Youssef Saoui et Kamel Kikoud. Alors je crois qu'elle n'est pas là, mais je la cible, Jeanne, Nadane et Guyenne, Madame Faux, elle n'est pas là, je le regrette, Farida Ouchmi, elle n'est pas là non plus. Elle est là? Mais qui est-ce qui est là? C'est qui? Mais bien alors! Jeanne, Madame Faux, vous êtes achetée, vous allez voir. Liliane Robert, Liliane, c'est avec vous Liliane. Voilà Fleury. Hippolyte Girardot. Faites gaffe, c'est le film, mais vous savez que maintenant il y a des amendes. Deux sont pareils. Et. Pardon? Et évidemment, ma daronne préférée, Isabelle. Ouais.
crois que tu veux dire quelque chose. Bonsoir. Masafir, la madame Mbaka. Choukran. 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 Choukran Elijitu. Yeloum wa Tahaditu Elmer. Inch'Allah, elle filme Yafikoum. Bon, voilà, une traduction peut-être, quelqu'un. Vous avez compris, bon, c'est très bien. Non, j'espère que le film. Merci, oui, d'avoir. Ben, c'est ce que je disais, j'ai oublié de dire. Merci d'avoir bravé l'interdit. Et j'espère que le film va vous plaire. Voilà. Parle bien, hein. C'est une très bonne interprète, une très bonne traductrice, et on est super content de vous voir masquer avec cette envie de voir du cinéma. Ça nous fait très très plaisir. On a toute envie de vous applaudir. C'est formidable. Merci. C'est vrai que d'habitude c'est le public qui applaudit les acteurs, et c'est vrai que on revient du Festival d'Angoulême aussi. On a présenté le film devant des salles aussi pleines que ce soir, et on a eu beaucoup de plaisir et d'émotion à vous applaudir. Bravo. Merci. Au film. Merci d'être là. Merci.